au départ de Toulon. On va chez Enzo, c'est parti. Bon, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Enzo Filippo, champion de France. Ouah, gros, j'ai pété la chaîne. On a Greg Filippo à la clamolette. Bon allez, c'est bon, on a réparé la chaîne les gars. Ça va, on n'était pas trop loin, donc on a poussé la moto. On s'est débrouillé, puis voilà, bon bref, on a enfin réussi. Merci au papa d'Enzo, Greg, pour la chaîne. Parce que du coup, il n'avait pas d'attache à joint torique et moi non plus. Donc c'est vrai que... Bah, c'est toujours un petit peu délicat, donc il m'a filé une chaîne toute neuve, merci. Donc je disais, on a Enzo devant nous, Enzo, champion de France Enduro Kid 2020. Je le connais depuis 2 ans puisqu'il a fait partie de l'Outsider Academy. Et vous savez que je travaille pour Outsider. En plus d'avoir leur aide au niveau des tenues. Donc voilà. Voilà pourquoi je le connais. Alors ça roule très très fort hein. Là pour lui il est en balade. Bien que nous là, je vous dis le cardio il est en train de monter. Ça s'échauffe pas mal. Alors je sais pas si c'est une spéciale là. Mais ouais, ça roule très fort là. Ah ouais, je pense que c'est une spéciale. Si, c'est bon, c'est une spéciale. En tout cas, Ah, si, c'est bon. Passer Guigui devant. Vas-y. Et ouais, faut bien choisir ses traces mon grand. Et c'est super sympa. Franchement, là depuis hier on découvre des coins, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en Auvergne, mais franchement c'est ultra plaisant. Et je comprends pourquoi en fait, même les gens qui ont des endroits coins comme des endroits cool. Ou des coins sympas comme ici, ils kiffent venir en un parce qu'en fait c'est pas forcément mieux ou quoi, c'est juste que c'est ultra différent et du coup c'est genre ben, plaisant. Vous savez où je commence à être oxy là? Et l'inter. J'ai essayé de piloter un max avec les jambes. Ouais.
trottoir. Plutôt sympa, hein. Regardez, c'est la dernière journée sans moto. Regardez-moi cette tuerie là. Avec la vue. Bon app, les gars. Bon app. Je crois qu'ils sont pas prêts pour les 8-9 heures de route demain. Les virages ils sont trop bien tracés et tout. Bon allez, premier test de la 125 sur spécial. On va attaquer doucement. J'ai encore du mal, je suis habitué à la 4,5. My dear, when I hop up out the coupe and I'ma roll through, I'm cool like a shark boy. Doesn't pop me out, I'm with the bark boys. Every mile I want, I call it spark joy. I be talking scary, swear that I'm a dark boy. I'm a dark boy. Baby, I'm a dark boy. I'm a dark boy. So me and myself. Oh,
La bataille n'est pas perdue, les gars. Dommage que ce soit pas. Regardez comment il couche. Donc voilà, j'ai bonne ton de roue après 4 jours dans le sud à tester cette moto. Agréablement surpris, cette moto c'est quand même une moto qui est toute nouvelle. Fantix se relance dans l'enduro. Ils ont pris une base de 125 Yamaha YZ. Ils ont complètement modifié pour l'enduro. Alors qu'est-ce qu'on a comme modification? Premièrement, on a toute l'homologation. C'était surtout ça le problème quand tu voulais une 125 Yamaha enduro. Il fallait prendre une YZ, la faire homologuer. Ça coûtait cher, ça prenait du temps. Et là, donc Fantix nous propose une solution à 8 500 €, grosso modo, sur les concessionnaires. Toute prête. On n'a besoin de rien rajouter pour l'enduro. À commencer par le sabot qui est présent, qu'on a ici. On a aussi des protège-mains, on a tout ce qui est le système d'éclairage, on a bien sûr le compteur que je vous montrerai plus en détail. On a aussi un petit protège-disque arrière, voilà, protection aussi pour l'étrier arrière. Enfin, on a une moto qui est vendue prête à rouler. Alors maintenant, le constat que moi j'ai eu en l'essayant, c'est que j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais à une moto qui était quand même très cross, parce qu'on est sur une base YZ. Et j'étais quand même assez surpris. Elle accepte pas mal d'être pas forcément dans les tours, malgré que ce soit un 125. Et par contre, alors là, j'ai été vraiment bluffé, c'est que dans les tours, elle marche vraiment fort. On a fait tester la moto par Enzo Filippo, qui est champion de France enduro kit 125 cette année 2020. Il a été aussi très surpris par la puissance du moteur. À noter que du coup la moto est réglée pour l'Ardèche, donc là on est à 700-800 mètres je crois de tête, et nous on a roulé sur la côte, donc on était entre 0 et 400 mètres. On a noté que peut-être la carburation était un petit peu capricieuse quand on a des gros changements en altitude, donc ça a peaufiné. Il y avait juste un tout petit trou, c'était pas grand chose, mais c'est vrai que voilà, on aurait aimé peut-être avoir une moto un petit peu plus ronde. C'est vrai que sans ce petit couac, on va dire, de carburation, parce qu'on sait que ça vient de ça, parce que quand on changeait d'altitude, la moto marchait beaucoup mieux. C'est pour moi en tout cas une bonne surprise au niveau du moteur. Et au niveau de la partie cycle, vous savez, j'ai eu la 2,5 WRZ, donc qui est grosso modo la même partie cycle, on a les mêmes suspensions, même cadre, pas le même moteur, donc celle-là elle est même encore plus légère. Et vraiment agréablement surpris de cette moto. Ça encaisse les chocs, elle est peut-être réglée un peu rigide. Au niveau de la partie cycle, c'est là que ça devient vraiment bluffant pour moi, parce qu'on retrouve vraiment la sensation qu'on a avec une YAM, avec un vrai moteur enduro. Et franchement, moi je me suis régalé. Je sais que Guigui qui est derrière la caméra aussi s'est régalé. La moto met en confiance tout de suite. Moi je trouve qu'il y avait beaucoup d'adhérence, même comparé à mon 4 temps. Limite pour moi, le point faible de cette moto, ce serait qu'en haut, pour un 125, ce serait peut-être même peut-être un peu trop. Moi je sais que j'ai un petit peu eu du mal parce qu'elle pousse assez fort en haut, malgré que ça reste un 125. Et quand on est habitué à, moi par exemple, la 125 KT de Guigui, c'est complètement différent. Donc pour moi, c'est un gros oui. Voilà, donc attention, peut-être la carburation. Nous on a vu que c'était peut-être capricieux. Un avantage aussi, c'est qu'il y a un réservoir enduro, donc on a 9 litres. Et puis sinon voilà, c'est du tout bon, c'est une moto qui sort, moi je trouve pas cher pour ce qu'elle propose au niveau de la partie cycle, au niveau du moteur. On a aussi une culasse enduro, on a un CDI complètement revu, si je me trompe pas apparemment c'est un boîtier Get, voilà, qui a été programmé par Fantic, etc. Donc ça c'est un gros avantage quand même sur une moto d'origine. La béquille, tout ça, on a vraiment rien à rajouter. Quand on s'est pris une 125 YZ2 avec tout le matériel d'homologation, les modifications qu'il faut faire pour qu'elle marche, qu'elle soit compétitive en enduro, là je vous dis, on a aucun, pour moi on n'a aucun équivalent en tout cas dans ces prix là. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, que ce soit par rapport à un essai que vous aurez pu faire sur la Fantic,
ou alors simplement la vidéo. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, vous avez un ressenti, n'hésitez pas à le partager, ça pourra sûrement aider d'autres personnes à faire leur choix de 225. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à Bonneton de Roux qui est juste derrière. On est entre midi et deux, c'est pour ça que c'est fermé. Ne vous inquiétez pas, ils sont bien ouverts, ils sont là pour vous renseigner. Donc merci beaucoup, ils ont prêté la moto, elle est vraiment super, on s'est régalé, que ce soit Guigui ou moi. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tests, pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon ride sur ce gaz.